Nalelio, Nalelio, Wabolingo, Oyo Kela, Ngawayo, Nalelio, Oh, Nalelio, Wabolingo, Oyo Kela, Oh, Nalelio, Kolo, Nalelio, Nalelio, Wabolingo, Oyo Kela. À moins que ce soit vraiment une urgence pour mettre quelqu'un pour s'asseoir. C'est pourquoi nous vous avions demandé de respecter les protocoles. Que quand tu arrives, qu'on te mette devant, ça va permettre que si quelqu'un arrive en retard, que le protocole ne traverse pas jusqu'ici. Donc c'est par respect au protocole quand on te donne une chaise. Et essaie de t'asseoir là, on t'a donné. Généralement, ce sont les anciens qui n'obéissent pas. Les mamans diacres, diaconesses. Généralement, ils n'obéissent pas au protocole. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, tu ne seras pas dans les grandes. J'essaie de les respecter pour nous permettre de ne pas voir les protocoles défiler.
culte quand nous prêchons. Mais quand vraiment qu'on tous a porté tout le monde à rater dans l'union sort par contre bah on les gâtons mobilité les autres yama. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre marche sur GESO. Que le pasteur Papi avait commencé. Vous permettez que nous nous mettions debout pour lire les Écritures. Je voudrais dire que se mettre debout n'est pas une doctrine. Nous pouvons également lire la Bible en étant assis, ce n'est pas grave. Mais si je vous demande de vous lever, c'est par respect tout simplement à ma personne. C'est comme le modérateur, quand il nous demande de nous lever, nous respectons ce qu'il a dit. Nous prenons les livres des juges. Nous allons lire quelques écritures. Ensuite, nous allons commencer la marche. Nous sommes dans les livres des juges. Le chapitre 7. Je vais lire le verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël. Et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Madianites. Laissez-moi répéter cette écriture. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. Je voudrais prendre le livre de Daniel chapitre 2. Je vais lire du verset 25 au verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Alors, Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi. Lui parlant ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnerait l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Regardez le verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets qui a fait connaître le roi Nabucodonosor. Ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche.
Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Beaucoup plus son explication. Je continue la lecture. Genèse chapitre 40. Vous allez souffrir que nous lisons les Écritures pour que nous avancions. Le verset 8 de Genèse 40. Il lui répondit, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Raconte-moi donc votre songe. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur? Nous sommes dans les champs du pasteur Papi. Nous allons faire un effort pour ne pas avancer plus vite que lui. Ce que je voudrais dire ici, que pour que le peuple se prosterne, en d'autres termes, pour que le peuple adore, il nous faut les songes et son explication. Si les deux ne sont pas ensemble, c'est que nous sommes en train de faire une fausse adoration. Est-ce que vous me suivez? Donc pour que nous parlions de la vraie adoration, il faut qu'il y ait le songe et son interprétation. Je vous dis, ici je voudrais dire ceci. Que l'adoration, ce n'est pas chanter lentement. La louange, ce n'est pas chanter vite, 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 vite. Est-ce que vous me suivez, hein? Amen. Donc par la louange, on élève Dieu pour ce qu'il a fait. Quelle que soit la manière dont vous chantez, les fonds de la louange, c'est lorsque on évoque ce que Dieu a fait. Alors que l'adoration, c'est pour ce que Dieu est. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Et nous le louons pour ce qu'il a fait. C'est pourquoi Israël, quand il a traversé la mer Rouge, la Bible dit que Myriam récupéra un tambourin. Et Israël loua l'Éternel Dieu. Donc nous louons Dieu quand il fait des grandes choses dans nos vies. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, il mérite la louange de ta part. Mais pour ce qu'il est, que tu montes ou que tu descendes, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, Dieu est ce qu'il est et il ne change pas. Donc même si aujourd'hui tu rejettes le Seigneur, il restera ce qu'il est. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ceci. L'infidélité de l'homme ne change pas la fidélité de Dieu. Amen. Même si l'homme devient mauvais, même si moi, votre
prédicateur, je vous scandalise. Cela ne change pas Dieu dans ce qu'il est. Est-ce que vous me suivez? Alors la Bible dit que Gédéon devait aller en guerre. Alors le problème de Gédéon, c'est qu'il doutait s'il va rencontrer. Alors pendant qu'il entre dans la ville, il trouve deux Madianites en train de parler. Il y en a un qui raconte les songes. Gédéon écoutait les songes racontés par les hommes. Il dit, j'ai vu un paix d'ange. Je ne voudrais pas aller vite pour ne pas dépasser les pasteurs papiers. Parce que l'épée d'ange, c'est l'épée des pauvres. Il voit un peu d'ange qui roule, et qui va frapper une maison. Et la maison se renverse tête en bas, les pieds en l'air. L'homme a fini son songe. Alors celui qui a écouté, il avait le droit d'interpréter. Alors il va dire, ce que tu as vu là, l'épée que tu as vue, en réalité c'est l'épée de Gédéon. Solo, et nous voulons dire en d'autres termes, l'épée, c'est une épée. Ezali mopanga. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais aller vous suivre. Le Père, selon l'interprétation de ces messieurs-là, il dit que ce Père-là est une épée. Or, l'épée est pour le combat. Maintenant, nous comprenons que en réalité, quand Jésus dit, que je suis l'épée de vie descendue du ciel, il voulait dire en d'autres termes, je suis l'épée de Gédéon. Oh, quand tu manges le pain, en d'autres termes, tu es en train de manger la parole. Oh, quand la parole est en toi, cette parole devient toute une épée. C'est pourquoi Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, vous ordonnerez aux démons et ils obéiront. Ici, frère, il ne faut pas voir une épée qu'on met dans les fourreaux comme ça. Non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc quand Dieu définit l'épée, dans sa pensée, Dieu voit l'épée comme étant la parole. Est-ce que vous me suivez? Sinon, tu risques de faire un combat de... une prière de combat, comme les Romains de l'ancien temps. Nous allons, quelqu'un dans sa tête, il pense que c'est vraiment l'épée. Maintenant, il commence à prier comme ça. Parce qu'il n'a pas compris que lorsque nous parlons de l'épée, en réalité nous parlons de la parole. Cela veut dire que celui qui n'a pas la parole en lui, les démons ne lui obéissent pas. Amen. Je vais répéter ça, frère. Amen. Si Dieu n'est pas en toi, si la parole n'est pas en toi, même ta prière est une abomination devant Dieu. La Bible dit qu'un jour, un homme a croisé quelqu'un et dit au nom de Jésus que Paul Pierre prêche, je te demande, toi, démon de sortir. Les démons répondent.
Il dit, je connais Paul. Mais toi, je ne te connais pas. La Bible dit, il va récupérer les messieurs. Donc en réalité, quand tu n'as pas Dieu, arrêtez de faire les aventures de chasser les démons. Évitez la Parce qu'au contraire, ta situation va devenir difficile. Que Dieu vous bénisse. Donc il te faut les songes et l'explication du songe. Ici, je voudrais dire ceci. S'il n'y a pas l'explication du songe, l'homme ne peut pas avoir la vie. Maintenant, regarde. Parce que je vais retourner dans les jardins bientôt. On prend Joseph, on le met en prison. Vas-y, Joseph, est-ce que vous me suivez? Joseph, avant d'entrer en prison, Joseph, il y a beaucoup. Il est entré dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospère. Quand tu as la promesse de Dieu, ça ne dépend pas de là où tu es. Et quand tu as la promesse de Dieu, même si on te met à catacombe, tu vas prospérer. Est-ce que vous me souvenez? La prospérité n'est pas fonction du lieu où tu te trouves. Et qui par des places aux salis. La prospérité est fonction de ce que tu as avec toi. C'est lui qui a Dieu. Si tout le monde échoue sur ses chemins, c'est lui qui a Dieu passera par ses chemins. C'est pourquoi il ne faut jamais écouter les autres. Tu vois, quand nous sommes venus dans ce pays, nous avons voulu faire ceci. Tu penses que toi aussi tu vas réussir. Il faut lui dire, si toi tu as échoué, sache que moi l'éternel est avec moi. Là où les gens ont échoué, moi j'ai réussi. J'ai toujours aimé cette parole de la foi. Écoutez, frère. La foi, c'est lorsqu'on nous croit, rien on croit quelqu'un. Il y a un combat entre les serviteurs d'Abraham et de l'autre. Et là, il a dit tout le monde, quand il a passé, il y a Abraham, le père à l'autre. Non, Abraham regarde l'autre. Abraham a dit l'autre. Il a compris que ce conflit-là va nous atteindre. Par précaution, nous allons nous séparer. C'est informé qu'Abraham et l'autre. Ils ne se sont pas séparés parce qu'ils étaient en conflit. Donc quand toi tu te sépares avec quelqu'un pour un conflit, laissez l'autre et Abraham tranquille. Parce que ça ne vous concerne pas cette histoire. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc Abraham et l'autre n'étaient pas en conflit. Il ne faut pas aller prêcher. Oh non, bien-aimé, ils vont te séparer de ton lote. L'autre, c'est le péché. L'autre, c'est la maladie. L'autre n'a jamais été une maladie. L'autre n'a jamais été un péché. Est-ce que vous me suivez? Il y a tellement de choses qui me restent. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, il dit Abraham sort de ta nation. Dieu n'avait pas dit Abraham sort avec l'autre. Mais Abraham avait compris la promesse que je ne peux pas sortir moi-même. J'ai fait avec l'autre. Parce que l'autre, c'est mon sang. Écoutez ce que Dieu dit. Arrêtez de dire que l'autre était péché. Même les gens nous. Arrêtez. C'est pas toi de ton Lord, l'autre est un péché. Attendez, je vais vous lire une étude. C'est Pierre qui dit ça. Pète l'autre, on t'a dit. Quoi? Non, vous allez qu'on dit ma blonde. Vous voulez qu'on dit la pète l'autre, on t'a dit le baillage. Pierre qui dit ça, je crois, je ne me trompe pas. Dans les livres de
2 Pierre. Voilà. Prenez le livre de 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, mon capo, il y a une... Écoutez ce que la Bible dit. C'est ce qui fait la force des assemblées de saints. Nous parlons d'abord en répétant les songes. C'est ça les songes que je vais répéter ici. Pierre dit ceci. Je vais commencer par le verset 6. Non. 2 Pierre chapitre 2 verset 6. Si la condamnée à la destruction est réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe. Ce qui est à condamner fait à Bouki à Zomisamora pour à Sodome et Gomorrhe. En les donnant comme exemple aux impies à venir. Écoutez comment Pierre définit l'autre. S'il a délivré le juste l'autre, ce qui y est à Bikisi, à Kangoli, Moyenge Beni, l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans les dissolutions. L'autre, Oyo, y est à Bandaki, vraiment, qu'on tout qui s'amattend à son monde, à Bandoubazo, Tango, la mabé. Donc, quand Pierre voit l'autre, Tango, Pétero, à son monde, il voit un juste. Qui est dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous me suivez? Alors, lorsque le conflit voulait les atteindre, c'est Abraham qui dit à Lot, nous allons nous séparer. Regardez ce que nous allons faire. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Ça, c'est la nature d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne se précipite pas. Donnez-moi toujours. Donnez-moi le frère. Un enfant de Dieu. Parce qu'Abraham savait qu'il avait Dieu. Il n'a pas besoin de se précipiter. Abakouk dit, attends, la promesse s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Dans la vie, frère, dans la vie. Il ne faut jamais être pressé. Parce que l'Éternel combat toujours pour ses enfants. Il dit l'autre, tu choisis. Écoutez ce que la Bible dit. L'autre a regardé du côté où il y avait de la verdure. L'autre a dit côté où Matisse et Zara qui vraiment a maïa. Il dit pour nous. Ah ah, il a fait. Il s'est dit à lui-même, si j'amène mon troupeau vers ces points, ils vont manger et ils vont grossir. Oh, j'aime ces choses. Dieu ne tient pas compte de l'apparence. Quand Dieu veut élever quelqu'un, frère, il ne demande pas, il vient de quelle famille. Qui est son père? Non. Quand Dieu veut t'élever, frère, il va t'élever. Abraham, l'autre a regardé. Il a vu du côté, il y avait de la vertu. Il dit à Abraham, moi je vais aller là. Là, j'aime ces choses, j'aime ces choses. Qu'est-ce qui a attiré l'autre? C'est que ses yeux avaient vu. C'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, frère, ne sois jamais attiré par ce que tu vois. Oh non, je vais acheter des voitures. Je vais acheter des maisons. Il faut que je me marie à beaucoup de femmes. Je vais avoir beaucoup d'enfants. Beaucoup d'argent. C'était la vertu que l'autre avait vu. Et il a pensé qu'il va prospérer là-bas. C'est pendant quand il est allé là-bas qu'il va se retrouver dans Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous me suivez? Mais comme Abraham avait la promesse, la Bible dit qu'il a pris la partie qui était désertique. Il a accueilli côté à 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 côté
C'est-à-dire, les côtés où on ne pouvait pas voir la vie. C'est pourquoi quand Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, il s'arrange pour les amener dans le désert. Là où personne ne pouvait croire qu'il existait. Il marchait pendant 40 ans. La Bible dit. La Bible dit avec les mêmes vêtements. Et la même paire de chaussures. Regardez frère, même dans le désert, celui qui a Dieu, il marche, il arrive à descendre. L'autre se retrouve là-bas. L'autre a dit Koutikouna. En plein péché. Dans le péché. Mais quelle est l'interprétation des exemples? L'autre, c'est nous. Nous sommes venus avec Dieu. Nous arrivons sur la terre. Nous nous retrouvons dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Dans le monde où il y a des péchés. C'est pendant que nous sommes fils de Dieu. Donc l'autre en Égypte, Sodome et Gomorrhe, était l'image des fils de Dieu qui sont dans le monde. Mais la Bible dit. L'autre était attristé de ce qu'il voyait. L'autre abandonnait qu'il voit monter ma passion. Quand on est enfant de Dieu, ça ne fait pas plaisir de voir ce que nous voyons. Et ça, là, c'est monté au monde en haut de mon allée. Que les hommes marchent à demi nus. Et toi, ça te fait plaisir. Lorsque tu défiles sur TikTok, dès que tu vois une partie de scène, tu ne veux pas passer, tu cliques. Parce que ton cœur est tout attiré par des mauvaises choses. Il y a même des vidéos, tu vois quelqu'un comme s'il a embrassé derrière un rideau. Tu verras les frères en train de cliquer pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec. Un enfant de Dieu ne peut pas être attiré par ces choses. C'est pourquoi il faut vérifier qu'est-ce que vous regardez sur vos TikTok. Qu'est-ce que vous regardez sur Facebook. J'aime ces choses, frère. Quand on a la sémence de Dieu, on est affectionné par les choses célestes. Mais c'est ton cœur tout le temps tourné vers la terre. Il se pose un problème dans toi. Tu es sur TikTok en train de défiler. En tout cas, à mon avis, vraiment, il n'y a vraiment rien de bon à TikTok. Amen. En tout cas, ça ne dépendait que de nous. Personne d'entre nous ne doit être à TikTok. Tu manges le foufou, tu mets sur TikTok. Tu achètes une veste, tu mets sur TikTok. Tu achètes la chaussure, tu es sur TikTok. Ça là prouve que ton cœur est rempli des choses du monde. Pendant que nous prêchons ici, toi tu ne postes pas de prédication. Non! Au lieu même de nous filmer 2 secondes, poster. Tu ne le fais pas. Mais quand il s'agit des choses terrestres, qui ne donnent pas la vie, tu vas aux toilettes à 2h du matin. Avant d'aller, tu vérifies TikTok. Tu rentres pour pisser. Avant de monter sur le lit, tu regardes encore ton téléphone. Non! L'autre était attristé. L'autre Azara qui n'a pas si. Est-ce que vous me suivez? Ça doit nous chagriner, frère. Et je ne laisse pas la vie se passe. Tiens, c'est chaud. Alors ça a énervé Dieu. Et personne n'a mon cas là. Parce que Jésus avait dit, hein. Jésus, alors pas qui? C'est qui arriva du temps de l'autre. Va arriver aussi à cet âge. Et comment il ne faut pas répéter pour répéter.
Et il faut aller voir qu'est-ce qui est arrivé au temps de l'autre. Pour comprendre l'explication du Sodome. La nouvelle de l'impudicité de Sodome et Gomorrhe. Sango, il y a Ekobo ya Sodome na Gomorrhe. Arrive jusqu'au ciel. Ekomitina lola. La Bible dit que Dieu descend. Vous allez vérifier. Vous pensez vraiment que Dieu n'avait pas vérifié Dieu du ciel? Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de descendre? Maintenant, pendant qu'il descend, Dieu au lieu d'aller à Sodome et Gomorrhe. Il va aller voir celui qui avait fait sortir l'autre. Ce n'est pas par hasard, frère. L'autre n'est pas le péché. Dieu voulait aller se détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu savait. Si l'autre s'est retrouvé là-bas, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute d'Abraham. Parce que c'est Abraham qui était sorti avec lui. Alors Dieu décide de passer chez Abraham. Quand il arrive chez Abraham dit, Abraham, il faut que tu manges. Parce que moi j'ai toujours cru, frère, que Dieu avant de bénir quelqu'un, il doit manger. Est-ce que vous comprenez? Je n'entre pas parce que ce n'est pas ça l'objet de mon intervention. Dieu, avant de bénir quelqu'un, il mange d'abord. Il a dit à Pierre, va voir la maison de Corneille. Parce que les aumônes et les offrandes de Corneille est arrivé jusqu'au ciel. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, n'arrêtez jamais de faire du bien à quelqu'un. Parce que le bien que tu fais, tu le récolteras toujours. Oh non, moi j'ai aidé beaucoup de gens, je ne vais plus faire. Tu t'es maudit toi-même. Moi j'ai fait un constat. C'est lui qui donne et reçoit toujours. Amen. En tout cas, j'ai appris ça dans la vie. Je te donne $200. D'une manière ou d'une autre. L'argent va nous aider quelque part. Mais ça arrive toujours. Est-ce que vous me suivez? Dieu mange. Nous prions un Dieu qui mange. Mange. On donne la crème. C'est comme yogourt. Abraham, ça peut servir. Abraham, il y a Dieu boit le yogourt. C'est la seule grâce. Ah, ok. Cette grâce n'est pas toujours là. Voilà. C'est toi qui le cherches. Regardez. Dès que Dieu finit de manger, il s'est dit à lui-même, cacherai-je quelque chose à Abraham? Tu sais, quand tu invites quelqu'un chez toi, tu veux connaître le secret de son cœur. Fou. Dès qu'il va manger, Je ne sais pas si c'est Abraham. À part l'autre. Est-ce que vous me suivez? Abraham commence l'intercession. Abraham n'a pas prié pour Sodome et Gomorrhe. Toute la prière d'Abraham ne concernait que l'autre. Toute la gymnastique qu'il fait ne concernait que l'autre.
Quand tu es enfant de Dieu, même quand tu es sur la terre, sache que tu as auprès du Père Jésus-Christ l'intercesseur. Ici Abraham, il est l'image de Jésus qui intercède en faveur de Lot. Qui est avec nous, les chrétiens dans le monde. Et puis, regarde, frère. Quand Abraham cause avec Dieu, les deux anges vont. Le pasteur Papi a démontré ici. Les deux fils de Joseph. Ephraïm et Manassé. Il a expliqué que c'est les deux cornes du bif. Et c'est vous me suivez. Parce que le bif, c'est la puissance. Et la force du bif se trouve dans ses cornes. C'est pourquoi David a été one d'une huile qui vient de la corne. Et son règne est éternel. Quand Dieu te ouvre une corne de bif, je te dis que tu entreras au ciel. Rien ne peut t'empêcher. Même si tu pêches, tu vas te relever. Même si tu as des difficultés, tu vas te relever. Parce que l'onction de Dieu est avec toi. Nous comprenons que les deux anges là qui vont, en réalité c'était Manassé et Ephraïm. Non, les deux anges là qui vont représentent l'enseignement des prophètes et des apôtres qui fait les fondements de l'église. Il est resté avec Abraham. Mais il dit à Abraham, je viens pour voir. Ah, je comprends ces choses. C'est que les deux anges, ce sont les yeux de l'éternel. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme avec deux yeux. Si nous te prenons avec toi, tu as mis sous misat. Non. Et c'est vous remarquez. Regardez. J'ai une écriture, je vais finir. Il a venu dans la commune avec la Sissa. Non, c'est ça, c'est comme quand les anges sont arrivés. Vous savez, moi j'aime la précision de la Bible. Quand tu lis l'écriture, il faut lire bien. Il faut bien lire les songes. Les deux anges ne sont même pas entrés dans Sodome et Gomorrhe. Physiquement, s'ils étaient partis pour voir, donc ils devaient entrer à Sodome. Circuler les rues, regarder, aller dire à Dieu, nous sommes allés, nous avons regardé, nous te faisons rapport. Ça ne s'est pas passé comme ça. Les deux anges arrivent. Ils trouvent l'autre à la porte. Est-ce que vous me suivez? Or l'écriture dit, je suis la porte de la Bible. Là où l'autre était assis, cette porte représentait Jésus. C'est pourquoi il est écrit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc l'autre était à Sodome, mais c'était un étranger. Parce qu'il est venu, ce n'est pas son territoire. Nous laissons les Bateke, les Baoumbu pour Kinshasa. Et les Baoumbu prennent les Kassai. Les Swahili font le Katanga à Kivu. Mongo, va aller Bateke. Mais nous sommes pèlerins sur la terre. Nous sommes des passages, frères. Dieu ne peut pas devenir mon frère parce qu'on vient de la même
Trinité. Non. Je ne peux pas m'attacher à toi parce que tu es de ma province. Non. Si tu comprends les choses comme ça, tu n'as pas compris le sens des Écritures. Nous sommes pèlerins sur la terre. Nous sommes en train de passer. Et nous sommes frères par là-bas. J'ai toujours répété ça, frère. Ne rêve pas. Que si tu es mon louba comme vous, et que tu fais une bêtise que je vais fermer ma bouche, tu vas tu te tromper énormément. La vérité, ça va rester la parole. Est-ce que vous me soyez vrai? Tu n'as pas besoin de la multitude, frère. Celui qui a Dieu n'a pas besoin de la multitude. Il a confiance en son Dieu. Et même si on le laisse seul, mais si tu marches dans l'intégrité de Dieu, Dieu te élèvera, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Les anges ne sont pas partis pour Sodome. Ils sont partis pour Lot. Parce que Lot, c'était le sang d'Abraham. Tu es un homme béni. Parce que tu es le sang d'Abraham. Tu es le fils de la promesse. Même si la difficulté t'accomplit, même si les problèmes viennent, l'éternel ne peut pas abandonner le ciel. Ils arrivent chez Lot. Je suis de passage. Ici, là, je passe ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Je vous laisse les panneaux. Donc, j'ai laissé les panneaux. Exit vers Bromonville. Un autre prédicateur peut venir par Bromonville. Moi, j'ai seulement levé les panneaux. Écoutez. Quand il croise l'autre, la première chose qu'il faut, ils entrent dans la maison. Arrivé à la maison, on tombe à la porte. L'autre essaie de sortir. L'autre a mis au bima pour discuter avec les impies de Sodome. La Bible dit, les deux sages, les deux, ils prirent l'autre par la main. Une main par les deux sages. Prirent l'autre. Vas-y, les filles entières de la maison. Fermez la porte. Est-ce que vous me suivez? Une façon de les séparer de Sodome. L'évangile. Doit te séparer du mauvais. C'est pourquoi la main a pris l'autre. Cette main-là, c'est ça, Ephésiens chapitre 4. C'est ce qu'on appelle le ministère. Les sept doigts de la main de Dieu. Le prophète, le docteur, l'apôtre, le pasteur, et l'évangéliste. C'est les sept doigts de la main de Dieu qui nous fait quitter Sodome pour entrer dans la maison. C'est pourquoi même David, pour renverser Goliath, il va dans un taureau, il ramasse cette pierre. Ces cinq pierres-là représentent le ministère. Et les deux anges vont ouvrir les fenêtres. Ils vont dire à l'autre, sors, Bima, cours, Kima, vers la montagne. Encore la montagne est au ciel. Est-ce que vous me suivez? Quand on dit couvrir la montagne, tu dois monter. C'est pour dire ceci, frère. Donc, s'il n'y a pas l'interprétation du songe, l'histoire va rester l'histoire. Un homme est sorti, il a semé. Alléluia! Alléluia! Amen! Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Il est grand. Maintenant la Bible dit, un jour,
Lazare était dans le tombeau. Jésus est arrivé. Lazare est ressuscité. Amen. Amen. Lisons. Histoire. Joseph se retrouve en prison. Joseph a mis Poutine à Boloko. En étant en prison, j'explique les deux songes de Madianit. Deux individus font des songes. La Bible dit ceci. Le paletier, le paletier va faire un songe. Les chansons. Moto a servi à mon conduit. C'est lui qui fait les vins. Voilà. Les chansons. Qui nous fait aussi un rêve. A l'autre de Noto. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime ces choses. Deux individus. Font deux songes. L'un. Il fait les pains. L'autre. Fait les vins. Ah, le frère Noël n'est pas là. De bon Noël à Zati. J'allais répondre à ta question. La ligne qu'on y a de là, mon tour n'a rien. Pourquoi nous ne célébrons pas la Pâque? Bon ami, les bisous, ton fait, c'est ta partie. Suis-moi attentivement. La nana, madame. Tu comprendras pourquoi nous ne célébrons pas la Pâque. Ce sera pour un bisous, ton célébrant la Pâque. Ils viennent vers Joseph. Baillé et baillé à Joseph. Le panetier raconte son songe. Bonjour à ça, la maman, par la tête de ton ami. Joseph, regarde, le panetier. Il dit toi. Adieu. Dans trois jours. Dans l'économie ça. Que Dieu vous bénisse. Papa, papa. Et dis-toi. Yo. Dans trois jours. Dans l'économie ça. Tu m'en vas. Au Koufa. Les chansons viennent. Oh, à ça, la vie n'a rien. Lui aussi raconte son songe. Il est permis de solo. Jésus, Joseph, les regarde. Joseph, attendez. Et dis-toi. Adieu. Dans trois jours. Dans l'économie ça. Tu seras dans les palais. Au Koufa, la dame à Koufa. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez. Joseph. En interprétant les songes, annonce la mort et la résurrection. Amen. Yes. Est-ce que vous remarquez? Le panetier doit mourir. Les chansons doivent sortir. Oh, les chansons et les panetiers. C'est le même corps. C'est le corps de Jésus. Parce que Paul avait dit, si Christ n'était pas mort, ce qui y est soit pour faire, là c'est le panetier. Et s'il n'était pas ressuscité, c'est les chansons. Notre prédication s'est révélée. Est-ce que vous me suivez? Donc le panetier annonce la mort de Jésus. Parce que Jésus avait dit qu'il est le véritable pain. C'est pourquoi Joseph lui a dit, dans trois jours, or le chiffre 3 parle de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi le jour de la Pâque, quand vous lisez votre Bible, Jésus a célébré plusieurs Pâques. Mais la Pâque qui nous intéresse, c'est la Pâque avant sa mort. Les Juifs, quand ils célébraient la Pâque, ils tuaient l'agneau. Mais Jésus n'a pas célébré la Pâque comme les Juifs. Parce que Jésus a fait un qui part pour le corps avant l'année. Moi, les disciples, à Zuba, les disciples, ils entrent dans la chambre. À côté de la chambre, il fait l'interprétation de Joseph. A commis qu'on pense à l'Imolaya Joseph. Il récupère le pain. À Zuba. Est-ce que vous voyez? Ne pas l'été. Il récupère le pain. À Zuba. Il dit ceci à mon corps. À Bioyo, ils entrent dans la chambre. Ah, donc le pain, nous n'en lis pas. C'est un corps. Exactement. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous je veux vraiment que tu me suives ici parce que la ligne comprend les points. Je veux essayer de culminer. La ligne vraiment dans le maman à peu. Donc, il dit le pain. C'est mon corps. Exactement. Que je donne pour vous. Il ne finit pas. Il fait
les rêves de mes chansons. Il récupère le vin. Il dit ceci. Et mon sang. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais prendre le frère Moïse. Moïse, Moïse. Ce que nous voyons ici, c'est son corps. Vous me suivez? Mais si Moïse vit, c'est parce qu'il y a le sang dans ses corps. Amen. Si on enlève les sangs dans ses corps, Moïse meurt. Moïse. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Donc Moïse lui-même comme ça. Moïse est composé de deux éléments. Son corps et son sang. Mais qu'est-ce qui fait vivre Moïse? C'est son sang. C'est pourquoi la Bible dit la vie. Bon, Moïse, c'est tout dans l'esprit. Amen. Je veux vraiment que tu comprennes ce que maman Charlie, je veux que tu m'écoutes. Maman Charlie, parce que je veux aussi répondre à ta question. Pourquoi nous ne manquons pas les saints? Dans l'homme, tu as mis les corps et les saints. Et Dieu dit, la vie se trouve dans les sangs. En d'autres termes, les sangs, c'est la vie. Est-ce que vous me suivez? Donc les sangs ici, nous n'avons pas la définition d'un sang rouge. Et le sang descend. Oh, ma kila kita. Sur le chef. Na ma kit. Sur le foufou. Na foufou pas na ma libalia. Sur nous. Le fils, nous voulons la vision de vêtements. Na bilamba. Dans ton esprit. Na ma base na yo. Tu penses que les sangs dont nous parlons est rouge? Ozo kanse de ma kila odoro loba yesa montane. Oh, tu as défini les sangs comme étant la vie. Ozo kanse de yeso azali kolimbola. C'est pourquoi quand il crée Adam, il fait d'abord le corps. C'est le panetier. Mais Adam n'était pas encore un être vivant. Par pourquoi? Parce qu'il lui manquait le sang. Donc quand Dieu souffle d'Adam, prophétiquement, Dieu venait de donner la vie à Adam. En d'autres termes, il a donné son sang dans le corps. C'est pourquoi nous disons, c'est lui qui a la parole. Il a en lui le sang de Jésus. Amen. C'est ce que Jésus avait dit. Les paroles sont vie. Et esprit. Or la vie se trouve dans le sang. Quand on a la parole, on n'a pas besoin d'invoquer ça quelconque. C'est pourquoi Paul dit, si nous l'avions connu selon la chair, aujourd'hui, nous ne connaissons pas Christ de cette manière. Est-ce que vous me suivez? Donc quand on a la parole, on a la vie. Ah, maintenant je comprends. Le premier songe de Magalite, c'était le corps. L'explication du songe, c'était le sang. Si tu ne manges pas le corps de Jésus, et tu ne bois pas de son sang, tu n'hériteras pas le royaume. Le sang dont je parle ici, ce n'est pas le sang des sorciers que tu mets dans un gobelet, tu bois. Non. C'est-à-dire, si tu n'écoutes pas la parole et son explication, tu ne seras jamais sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une exhortation pour finir la 3 minutes. Comment les songes et son explication donnent la vie? Parce qu'en réalité, si tu dis les songes sont l'explication, on peut donner une image que la prédication doit finir.
Maintenant, il faut aller trouver les éléments qui vont confirmer comment on a des songes et son esprit. Est-ce qu'on peut avancer pour finir? Regardez. Dieu dit à Jonas. Va à Ninive. Jonas, au lieu d'aller à Ninive, Jonas pourrait être à Ninive. Il prend, il va à Jaffo. Il y a qu'un à Jaffo. Il monte dans un bateau. Il est abattu na boîte. Bien-aimé frère, bien-aimé, si tu as la promesse de Dieu, tu ne fuiras pas. Tu vois, moi, je n'aime pas servir Dieu. Je trouve que c'est compliqué. Mais si c'est Dieu qui t'a choisi, il va te combattre jusqu'à ce que tu l'entrées. Ce n'est pas le diable qui a combattu Jonas. Jonas entre dans un bateau. Jonas a continué dans ma soua. Il descend dans les Corbeilles. Comme les membres disent dans les Corbeilles. Le roi va mourir dans la Corbeille. Il donne à l'ami. Comme Dieu était à la recherche de Jonas. Le corps de Jonas. La Bible dit. Dieu va souffler les mains. L'eau commence à rentrer. Dans moi j'ai toujours crié. Que Dieu peut nous priver la paix à tout le monde. Jusqu'à ce que son serviteur sera travail. Tout le monde dans les bateaux va mourir. J'aime ces choses. C'est-à-dire dans ces bateaux-là. Les protestants étaient. Al-Akbar aussi était. Al-Akbar. Tout le monde. J'ai dit toutes les confessions étaient. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible. Ah, ouais. Parce que le capitaine des bateaux est venu le voir. Il est dit que chacun prie son Dieu. Donc je comprends que dans ces bateaux-là, il y avait plusieurs dieux. Il manque Azalaki. C'est Dieu de moi. Il dit, priez votre Dieu pour que la paix rentre dans ce bateau. C'est pendant Joseph. Jonas, lui. Jonas, alors. Quand tout le monde priait. Quand on va finir son. Je vous informe que Jonas avait la qualité. On va dire ça un jour. Jonas, non. Jonas, alors. Je suis même sûr qu'il est ronflé. Non, sûr que nous Joseph était. Jonas. Jonas. Il était sûr qu'il ne mourra pas. Quand tu as la promesse de Dieu, frère, Dieu ne meurt pas. Tout le monde a changé. Le culte va commencer dans ces bateaux. Le sang est bandit. Vous savez, il y a quelqu'un qui va poser la question. Pourquoi vous ne vous rassemblez pas seulement former une église? Mais pourquoi il y a beaucoup d'églises? C'est parce que tu ignores la prophétie. La prophétie n'a jamais dit qu'il y aura qu'une seule église. La prophétie dit qu'il y aura plusieurs. Mais dans plusieurs là, il y a qu'une église qui est vraie. C'est l'église de Jonas. Église à Jonas. Tout le reste est là non. Ils ont prié. Pour que la terre soit dans la paix. Le capitaine de bateau vérifie. Il ne trouve personne. Il dit, on va faire des offrandes.
Même les païens savent que pour que Dieu se calme, ils vont donner l'offrande. Les gens qui viennent à l'église sans un sou. Vous péchez quoi? C'est pas bon. Le capitaine de bateau a compris. Nous devons donner l'offrande à la mer. Pour que l'eau se calme. La Bible dit, c'est un bateau de commerçants. Moi j'ai compris. Que toutes les églises aujourd'hui, ce sont des commerçants. Il fait son église. Pour que l'argent rentre dans sa poche. Pour que l'argent rentre dans sa poche. Pour la dîme et les autres. Alors dit, si vous ne donnez pas, il est en colère. Frère, moi j'ai toujours dit ça. Même si vous ne donnez pas, je ne peux pas me fâcher. Non, ce n'est pas pour moi. Et ça pour la grande. Est-ce que vous croyez à cela? Parce que c'est pour votre propre bénédiction. Mais comme les boutiques sont des commerçants. Parce que dans les bateaux, il n'y avait que des commerçants. Tu veux acheter la chèvre? Non, moi j'ai une poule. Maintenant, il faut jeter les boucs. Si toi, c'est mérite pour moi, si toi, je prends le boucal. Aucune offrande n'a calmé la colère de Dieu. En réalité, toutes ces offrandes-là, c'était le temps de la loi. Là où on donnait les animaux. Mais Dieu ne pardonnait pas les péchés. Non, le capitaine dit non. Le capitaine a habité. Quelque chose ne va pas ici. On descend dans les commerces. On trouve un homme en train de dormir. Le capitaine lui dit, alors que tout le monde prie, toi, tu es en train de dormir. Oh, ce capitaine là. Nous sommes un capitaine. C'est Jean-Baptiste. Et Azali Noël Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Pour que la colère de Dieu se calme. Il faut qu'on te récupère. Jonas dit, prenez-moi. Jonas a dit bonsoir. Il n'y a que moi. Amen. J'aime ces choses. Papa ne peut pas calmer la colère de Dieu. Ta mère ne peut pas calmer la colère. Je te donne un conseil. Sois même en conflit avec ton mari. Mais ne sois pas en conflit avec l'Éternel. Parce que personne ne défendra ta cause. Jonas dit, prenez-moi. Le capitaine il récupère l'agneau. Oh, je suis en train de voir ce capitaine. Capo Azul. Non, mon capo. Dans ma vision. Il est en train de monter les escaliers. Avec Jonas. Jonas. Il arrive là où tout le monde jette. Il leur dit, fini le temps de sacrifice. Nous venons de mettre fin à la loi. C'est lui qui devait venir là. Est-ce que vous me suivez? Il présente Jonas. Dès qu'il présente Jonas, tous les sacrifices doivent s'arrêter. Quand tu as Jésus, frère, tout le reste doit s'arrêter. Tout le monde arrête. Maintenant, on regarde Jonas. Le plus beau d'entre 10 000. J'aime cet homme de Jésus. Il a accepté de mourir pour que nous soyons là. Jonas dit, Jonas a pour avoir la paix ici. Moi, Jonas, vous devez me jeter dans. J'aime la Bible. Parce que la Bible définit l'eau. Comme étant le monde. Donc c'est Jonas là qu'on jette. Jonas on va se voir. En réalité, c'est Jésus qui quitte les cieux. Qui est en train de descendre sur la terre. Ce n'est pas fini. Il doit descendre. Et la Bible dit,
Ce n'est pas mon ganza. Jonas répond à la question. Quand il était dans le ventre des poissons, Jonas va déclarer les séjours des morts. M'environner. Donc le ventre du poisson, c'est le séjour des morts. Même que Jonas est rentré là. La colère de Dieu s'éveille. Je voudrais dire à quelqu'un, Christ est descendu dans les séjours de mort. Amen. Pour que ta maladie cesse. Amen. Il est descendu dans les séjours de mort. Amen. Pour que tes problèmes cessent. Tu as prié longtemps. Tu as souffert longtemps. Les choses ne changent pas. Mais aujourd'hui, je te présente le résultat de Jonas. Prenons le livre de Jonas. Prenons le livre de Jonas. Prenons le livre de Jonas. Aussi beaucoup à Jonas. Jonas. Le chapitre 2. Là, on t'a pour la vie, pas bien. C'est là qu'on finit. Je commence par les premiers versets. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours Jonas nuits. Tout comme Jésus avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Jonas n'a l'impumu yambisi à Sambelizambenae. Écoutez ce que Jonas dit. Yoga Jonas a dos Sambel. Dans ma détresse, n'a pas passé la gare. J'ai invoqué l'Éternel. La belle liawe. Il m'a exaucé. Ah, yanolingaï. Du sein de ses jours de mort. Nakati yamikolo yabakufi. J'ai crié, tu as entendu ma voix. La belle liawe, qui m'a envoyé la gare. Tu m'as jeté dans la Bible. Au quoi tu m'as dit, l'impumu yamulaï. Dans le cœur de la mer. Le courant d'eau m'a environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. J'aime le verset 5. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Oh, la suite de ce verset est merveilleux. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Que Dieu vous bénisse. La mort et la résurrection. Jonas, tout en étant dans les séjours de mort. Jonas, il confesse que je verrai encore. C'est pour dire, j'étais là-bas. Je suis descendu dans les séjours de mort. Je sortirai. Je rentrerai là-bas. Oh, j'aime ces choses. Il n'a pas considéré d'être comme Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il est descendu jusqu'à accepter la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Je voudrais dire à quelqu'un que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tes problèmes. Au-dessus de ta maladie, au-dessus de ton chômage, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Nous allons mettre des mouvements.
Tokoyemba aleluya, ah, aleluya, tokoyemba hosana, zambe na mose. Tokoyemba aleluya, oh, aleluya, tokoyemba hosana, zambe na mose. Tokoyemba aleluya, aleluya, tokoyemba. Jésus, la parole de Jésus, la parole de Jésus.
Thank you.